Bonjour à tous, c'est Mec, et là, Ravadia qui va. C'est pas une vidéo de Infinite Warfare! Oh, je peux pas mettre mes 5 dislikes! Ben non, mais je vais en parler sur une vidéo de Black Ops 3 en arrière, avec la FFR, sur Nuketown en double XP, sur un dernier rapport. Un peu plus, tu sais quoi, la game? Mais je sais que la première manche était mieux que la deuxième, je vais vous le dire tout de suite. En tout cas, fait que c'est pour ça. Mais je vais pas vraiment que vous skill sur le gameplay, même si c'est juste ça, vous allez voir en arrière. Mais bon, oui, comme vous avez vu sûrement dans le titre, j'avais parlé de. D'Infinite Warfare encore. Donc finalement, ma réponse finale, est-ce que finalement je vais l'acheter ou non? Fait quoi, il y avait la bêta qui est sortie. Personnellement, tu sais, j'ai quand même. Tu sais, je trouvais que l'expérience était pas pire. Et on va avoir une autre fin de semaine que le monde qui a même pas précommandé le jeu va pouvoir y jouer. Donc c'est la fin de semaine qui s'en vient. La vidéo, ce que je suis en train de faire. Qui va sortir aussi. Donc le fait de semaine, je sais pas trop ça va être quoi les dates par cœur, mais je sais que le. Non, c'est pas c'est du 21 au 23, du 22 au 24, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui sont intéressés à jouer le Infinite Warfare puis qui ont pas précommandé le jeu pour que jouer à bêta. Ouais. Fait que oui. Là, fait que depuis que j'ai joué à bêta, je me suis donné des réponses, je me suis donné des questions. Est-ce que j'allais triper sur ce jeu-là? La réponse. Ben moi personnellement, tu sais, je trouve. Tu sais, c'est un même de Black Ops 3, mais Black Ops 3, vous savez que j'aime ça avec les mouvements. Mais j'ai remarqué beaucoup de ressemblances avec Ghost. Je sais que c'est unique comme Black Ops 3. Il y a des genres de spécialistes qui s'appellent les armures ou en anglais des rigs. Mais l'affaire, c'est que non, je ne l'achèterai pas. Pour ceux qui vous attendaient à ce que je l'achète, non, je l'achèterai pas pour que je puisse faire des vidéos. Mais si exemple faudrait que je l'aide, ben ça serait Noël parce que je vais pas utiliser mon argent pour acheter un jeu que je peut-être vais avoir honte. Tu sais, Ghost, j'avais acheté mon propre argent et après ça je me suis rendu compte que c'était un jeu de mort. Mais à part de ça, c'est donc Call of Duty, je me suis pas tant dit comme oh, j'ai utilisé que mon argent, hein, c'est de la mort. Mais bon, personnellement, ok, mais là tu vas être Christmas Noob, ben, je m'en fous d'être Christmas Noob, excusez. Mais parce que Infinite Warfare, ça a l'air, ça a pas vraiment l'air d'être un jeu qui serait à la hauteur des exceptions du monde, à la hauteur des attentes du monde qui veulent, ben, je sais pas quoi là, qui voulaient que ce soit un bon Call of Duty. Oui, il y en a qui vont dire, ben là, il va falloir laisser une chance à Infinity War, tu sais, ils ont fait le pire Call of Duty, mais tu sais, on peut lui laisser une chance. Même moi, je me suis dit ça, mais Infinite Warfare, comme j'avais dit, il y a trop de ressemblances avec Ghost, je trouve. Je vais en parler plus tard, tantôt. Mais là, pour là, c'est ça. Je vais juste donner mon opinion là-dessus. Que pour à cause de la bêta, je sais pas. J'aimerais pas vraiment ça jouer en multijoueur sur Infinite Warfare. Vous savez très bien que moi, je suis un gars qui est tout le temps dans le multijoueur. Depuis des années que je suis tout le temps. Ben t'sais, ça fait longtemps que je suis Call of Duty. La première fois que je faisais, c'est d'être un multijoueur ou un zombie. Ben que c'était des Call of Duty avec les zombies. Mais la campagne, t'sais, c'est ça que je l'ai fait là. Mais c'est quand je l'ai fini, je ne retouche plus là. Mais bon. Fait que ouais, t'sais, Infinite Warfare, la campagne à la prometteur, le zombie à l'air de la mort. Puis le multijoueur, ben t'sais, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai vu que j'ai testé la bêta. Oui, la bêta c'est pas vraiment la version du jeu qui est finie. Mais quand même, ça donne un aperçu de ce que ça pouvait ressembler Infinite Warfare. Donc pour moi j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai apprécié l'expérience, mais pas pour dire que je vais l'acheter. Tu sais, c'est comme quand j'ai joué à Titanfall 2 la bêta, tu sais, je trouvais ça moyen, mais je savais qu'elle avait des ambitions, mais je sais pas trop si je voulais l'acheter. Mais le fait de le faire, tu sais, peut-être qu'il y a des ambitions, peut-être plus tard on me rend compte, oh, j'aurais dû l'acheter la première journée. Mais pour là, je vais y aller avec mon opinion que j'ai là, que moi j'achèterais pas le jeu. Si ce serait de mon argent, si je l'aurais pour Noël, je serais content à ma fête. Fait que ouais, c'est ça. Fait que pourquoi j'avais dit qu'il y a trop de ressemblance à Ghost? Vous vous rappelez des maths, je parle pas de la grosseur. Mais vous savez comment que le monde, il campait dans les coins? Dans Infinite Warfare, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coins où ce que le monde, il campait. Dans map Throwback, la map où c'est style années 50, 60, pas trop quoi, en tout cas, appelez ça comme vous voulez, hein. Cette map-là, j'avais vu du monde qui campait dans des coins où ce que je pensais jamais que le monde allait être là. Personnellement, ça m'a fait l'affaire le plus chier. Ça m'a demandé, est-ce que c'est parce que je suis pas bon ou c'est parce que c'est l'autre qui est pas bon? Oui, je sais, mais moi, je trouve que je suis pas vraiment le meilleur joueur de Call of Duty. Mais qu'est-ce que c'est rendu? Tu vois quelqu'un campait dans un coin, dans une bêta même, ou que, je sais pas, moi, dans n'importe quel jeu, tu vois quelqu'un qui est dans un coin, tu penses qu'il ta garderie, là, c'est parce que...
ça veut dire que. Parce que les. Soit que c'est les maps, ou soit que c'est la communauté qui commence à être de la merde. Moi je pense que c'est plus les maps qui sont faites pour ça. Le monde chez Hollywood Black Ops 3 c'était le même. Personnellement, Black Ops 3 j'en remarque pas vraiment de camper dans les coins. Dans les Infinite Warfare, juste pour la bêta, j'en ai remarqué pas à peu près. À part de ça, j'ai remarqué que la vie était un petit peu trop comme dans Ghost. J'avais l'impression de mourir assez facilement comme si on serait en hardcore encore. Donc pour dire que tu sais, je me fais mettre deux balles, je crevais, je comprenais pas, puis que ben trois balles de full loin, le gars me pognait avec une mitraillette. Des fois j'avais l'impression que le gun, que c'est moi qui l'avais, j'étais pas bon avec, comme la Karma 45, le monde il triffe ce gun là. Mais moi, je sais pas, je suis tout seul à pas triper sur le Karma 45. Moi, j'avais de la, je m'attendais à ce que cette gun-là, il était bon. Parce que la Vector dans Ghost, c'était la seule affaire que j'aimais avec le MTRX. Mais là, le Karma 45, pour être en servi au Vector, excuse-moi, mais c'était l'hostie de mal. Hey, c'est une Netmarker machine, ça, si, je pense que ça prenait 5-6 balles pour tuer le gars. Il y a des guns que j'aime. Personnellement, tu sais, la plupart des guns sont équilibrés, mais personnellement, tu sais, peut-être que le Karma, ils vont l'améliorer, peut-être qu'il y a d'autres guns qui vont l'améliorer, mais personnellement, pour là, je sais pas trop, là, c'est les maps, pour là, la communauté, juste qu'il y avait dans bêta, j'imagine pas ça dans le vrai jeu, tellement que ça va être Kemper, pis tout, là, tu sais, je comprends que, tu sais, c'est nouveau, pis que le monde sait pas trop quoi faire, mais tu sais, que c'est rendu que c'est sur Call of Duty depuis des années, pis tu vois du monde camper après, je sais pas, au moins 5-6 ans que ça fait que t'es là-dessus, là, excuse-moi, mais c'est parce que du monde qui campe dans même, là, surtout dans des maps qui sont faites quasiment pour ça, excuse-moi, là, mais, en tout cas, ça fait dur, là, tu sais, c'est vraiment vrai, j'ai remarqué beaucoup de coins, tu sais, mais là, mec, killer, tu vas pas lâcher parce que t'es pas bon ou quoi? Tu sais, oui, j'ai fait des games dans marde dans bêta. Dans Black Ops 3, j'en avais fait pas des très bonnes. Mais j'ai l'impression que dans bêta de Black Ops 3, j'en ai fait des meilleurs games que dans bêta d'Infinite Warfare. J'imagine pas, mec, j'achète le jeu ou mec, je l'aille. Checker bien ça, m'avoir ratio comme dans Ghost. Ghost, c'est le pire ratio que j'ai jamais eu de ma vie. Dans les Call of Duty, j'avais un ratio de 1.34 environ. Pourquoi? Ben, le monde campait. Premièrement, les maps étaient trop grosses. Quand j'utilisais un gun, je sais pas, c'est pour moi qui rentrait les balles. Ou c'est parce que le gars il avait une meilleure connexion de moi. Mais tu sais, c'est vrai que dans le temps que j'avais gauche, j'avais une meilleure connexion parce que j'habitais à quelque part où il y avait la fibre optique. Puis ben, la connexion était mieux qu'à lag mégantique. Fait que ouais, juste pour conclure, Call of Duty Warfare, je l'achèterais pas avec mes propres argent. Que si exemple je l'aurais, ce serait pour Noël ou juste pour comme cadeau pour surprise. Ou si exemple je me fais donner de l'argent puis je vais l'acheter de même, je suis comme fuck off, je vais l'acheter avec Modern Warfare Remaster. Fait que ouais, en parlant de Modern Warfare Remastered, attendez-vous à ce que si c'est acheté séparément, je vais faire des vidéos là-dessus, inquiétez ou pas, parce que c'est clair que ça que je vais m'acheter. Fait quoi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était tout ce que je voulais dire pour comme si je vais acheter une vidéo de Warfare ou non. Fait que ouais, droppez un like s'il vous plaît, droppez un like si même ça vous dérange pas que je fasse pas de vidéo d'Infinite Warfare dans les prochaines pour mois, ou disliker si vous aimez pas l'idée de ça. Fait que ouais, commentez si vous voulez que je fasse comme vidéo plus tard pour le futur de ma chaîne, parce que vu qu'il y aura pas vraiment de Call of Duty à part du Black Ops 3 sûrement. Mec, il est le 29, fait que chli!